Well, morning, everyone. Thank you. Thank you for the introduction. Thank you for having us here. We're delighted to tell you a bit more about what we do in Aberdeen in hydrogen. My name's Emma Watt. I'm the team leader for the projects team in Aberdeen City Council. We have an extensive hydrogen programme in our team. We've been delivering that for over 10 years now. It started with a small fleet, 10 hydrogen buses, 10 years ago, and our first hydrogen production and fueling station. And from there, we've built a hydrogen economy for Aberdeen. Why hydrogen in Aberdeen? As you should know, Aberdeen is an oil and gas hub, an energy city, with a very strong history in oil and gas production in the North Sea. However, as we know, the world is changing now. You know, the energy transition agenda is there for everyone. And Aberdeen had the foresight to see that actually we need to diversify from oil and gas and transition alongside oil and gas as it slows down production. And this is an economic benefit to Aberdeen, as well as, of course, the emission savings that come from hydrogen. So as a city, of course, we're on the coast. We have a lot of wind. We have a developed renewable sector as well. So we have the opportunity to tap into renewable sources to produce our hydrogen as well. As a city council, as a city, we are focused on green hydrogen. Of course, there are other options, and we may be involved in some blue hydrogen pilots, but our focus is on green hydrogen production via electrolysis, produced renewably where possible. We also, of course, have a skilled workforce from the North Sea, from the oil and gas industry, and we hope there's opportunity to again transition that workforce into the hydrogen sector as well. So as I mentioned, we've been on this journey in hydrogen for over 10 years now, starting off with our first station, our first fleet of buses, and from there we looked at where can we increase demand. It's that chicken and egg situation. What do you do first? Supply, demand. So we increased our vehicle numbers in the city, and then we built a second station as well. OEMs want to come to cities with minimum two stations. So we built our second station, and then the cities look to use hydrogen in other innovative ways. We've recently rebuilt our conference and exhibition centre, which has an energy centre and an anaerobic digestion plant. And as a byproduct, we can produce hydrogen very cost effective and distribute it to other distribution hubs to supply our transport fleet. I'll end by telling you our good news as well about our joint venture that we've recently signed with BP, and that really is to commercialise hydrogen and grow its economic potential for the city. So we developed a 10-year hydrogen strategy from 2015 to 2025. I'm delighted to say we've delivered most of that, certainly around fleet. There are areas in terms of what we'd like to do going forward, putting hydrogen into the heat network that will come out of our joint venture, but we've already delivered the majority of that strategy before the 2025 deadline, which is fantastic. So as I mentioned, we look to build our demand profile around transport, and I would say we have one of the most varied fleets of hydrogen vehicles in Europe, with buses, cars, trucks. We'll be getting cargo bikes, waste vehicles as well. We've had a lot of firsts in the city as well. First double-decker hydrogen buses, first hydrogen production and refueling facility in the whole of the UK. So we're an ambitious city that does look ahead, and we work very closely with the government as well. As your colleagues earlier mentioned,
Government funding and subsidy, of course, is crucial at this stage, especially when you're delivering these sorts of pilot projects. You need that subsidy because the total cost of ownership is expensive, not just in the products themselves, the supply chain, the maintenance, and of course the skill set required to look after your assets as well. So as I mentioned, we had our first hydrogen bus fleet operational, very successful project funded by a range of funders, notably the EU. It's unfortunate now we're not part of that, but we got a lot of funding drawn down to enable our projects at the start. And these Van Hool buses proved to be very successful. We had two bus operators in the city using them, so one on city routes and one on more demanding routes out with the city on rougher terrain, more hills. So it was a very good project to test the availability and viability of them as a product. In all honesty, there was a lot of issues with these buses, but equally, in terms of a pilot project, we were very successful. You can see in terms of our statistics, notably our station with 98% availability, owned and operated by BOC, was absolutely fantastic, not to mention the emissions saved for the city and the noise pollution as well of having quieter vehicles on the road. So as I mentioned, we have a very varied fleet. We have trialled various prototypes of vehicles. We have range extended vehicles as well as full hydrogen electric. And that really is because we work with both the public and private sector to try and work together in terms of what their needs are. So for example, our council fleet services, they have their own ambitions to convert to hydrogen and electric. So we've been able to allow them to trial lots of different types of trucks and vans, for example, to see what suits the council's purposes. But equally, we've worked with a lot of local stakeholders, the police, the fire service, Scottish Water, the National Health Service as well have trialled our vehicles to also find out if they're fit for purpose and for their business models too. So there's our Michael Gove, a government minister, who has visited our station, and we have a lot of support from both the Scottish and UK government. Especially at the moment, there are significant funding streams coming through as part of this energy transition journey. And for Aberdeen, we see hydrogen as being absolutely instrumental as one work stream as part of any city's energy transition movement. So our most recent project is the FCHDU Jive project for double-decker hydrogen buses. So that's the world's first hydrogen buses, and this is an Irish Wright bus, as opposed to our first bus fleet, which was Belgium from Van Hool. Mm-hmm. These buses, unfortunately, have a technical issue at the moment, not hydrogen related, but are out of service. But we have placed an order for 10 more, so we'll have a fleet of 25, which is just under a quarter of the bus operator's fleet running in Aberdeen. But they've been on the roads for about a year before they were taken out of service for a few weeks, and proving to be a lot more reliable and available and fuel efficient compared to the Van Hool product. That's the 10 of them there. Future vehicles, obviously we want to increase our waste truck fleet, working with our council fleet services. We're also FCCP project, looking to get cargo bikes into the city as well for deliveries. And we have a lot of very interested parties keen to pilot those as well. What's key with any transport projects is the maintenance and making sure you've got safe maintenance environment. 10 years ago, we converted our council fleet depot so that it's hydrogen safe, including the correct ventilation, detection, and importantly, the processes and engagement with the technicians and staff at the fleet services. And that's important in any business, of course, as well as the bus operators themselves, bus drivers, you know, driving the buses.
need to be trained properly as well. And regular training is beneficial, especially if you have a high turnover of staff. So as I mentioned, we have two stations. Our first station has the capability for both 350 bar and 750 bar, 700 bar rather. And our second station has a smaller production capacity and is really was only built for cars and vans. We hope to be able to upgrade it at some point, but they're in different strategic locations in Aberdeen. So excitingly, we have just signed a commercial joint venture agreement with BP. Last year, we went through a thorough procurement process to find a joint venture partner that wants to work with the city to really commercialise the hydrogen sector. And of course, because of our 10-year history, we've been able to create a demand profile that allows the joint venture to, in phase one, build a large-scale green production facility powered by a solar plant. I think they will start about 800 kilograms a day production, but it will be modular, so they can increase on that as the demand profile grows in the city. And future phases, phase two and three, will look at putting hydrogen into the heat network, working with our harbour board as well. We're looking into marine and rail and trimodal refueling as well. And longer term, the opportunity for export. We're hoping to twin city with Kobe in Japan. We do have an MOU with them currently, and there may be opportunities that come around export there. So we hope to have first gas from this large production facility around 2024. I think we all know in hydrogen things can be delayed because of the supply chain, but we have to look at that interim period and how we continue to build that supply and interim supply and the demand profile as well in terms of increasing our fleet going forward. Thank you. Okay, thank you very much. Vous voyez là, Céline Mouneau est habituée d'être assez souvent en avance sur pas mal d'innovations, mais là, pour le coup, on doit bien reconnaître qu'on a quelques années de retard par rapport à ce genre de situation, mais on va s'inscrire dans cette stratégie-là, en commençant par le plus petit de tous les véhicules que nous avons dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire les triporteurs, puisque dans le cadre du projet européen, bon, pour raison simple, hein, c'est d'abord on n'a pas de station hydrogène, on n'a pas encore de station hydrogène à Issy-les-Moulineaux. André Santini vous en parlera davantage tout à l'heure, mais d'ici là, il faut qu'on puisse tester un petit peu les usages et voir comment on peut avancer là-dessus, et donc c'est la raison pour laquelle on a participé au projet FCCP. Donc Mathias Schulz, qui dirige ce projet, va nous expliquer en quoi il consiste, en sachant que pour Issy-les-Moulineaux, il s'agit donc de tester deux triporteurs, dans un premier temps en tout cas, autour de ses usages. Mathias. Please push on the button for the sound. Of the FCCP project. We have the problem that we have a growing market of parcel services and so on. This is an example from Germany before COVID, and you see that we have an increase of approximately 4% per year, and I think COVID will enhance this increase of the growing parcel service market. And one of the problems, or sorry, this is a German slide, is that we have more and more traffic in the cities, which have two problems. We have more and more emissions from the transport traffic, and also we have more and more traffic jams caused by these transports. Therefore, we decide to replace some of these combustion energy engine vehicles in the cities by emission-free cargo pedelecs. We expected that we have a benefit for the
In the CO reduction and as well as in the reduction of traffic jams, because the cargo pedelecs don't need the streets and don't block the streets. They can also, depending on the local restrictions, driving in the other rooms of the traffic. Also the traffic room for the pedals. Caused by the complexity of this project, we have partners from industry side, Unicorn CSI, and logistic companies, Velocaria in Germany and DPD Group. Cities are involved, Easy Media, Easy, Stuttgart Energy Expo is a representative of Groningen, Den Haag, and Aberdeen. And we have also research institutions like DLR, University Gustav Eiffel, University Libre de Brussels, and ROC Nordaport. And we start to involve the cargo pedelecs in cities. Here you see the cargo pedelecs in Stuttgart. Stuttgart is involved in more than the FCC project, also is involved in different projects with used cargo pedelecs. You see here the bike from the company bike, which is used by the city of Stuttgart. They have two bikes in the project. And here you see the bike which will be equipped with a fuel cell now in Easy. They have two bikes, one from the company bike and one from the company Urban Mobility. You will see it in the afternoon, I think. I hope so. And the company in Easy, for example, is also supported by research company University Gustav Eiffel. They will give support and will also make or measure in the bikes load profiles and will make it energy studies or the simulations for this consumption. In Aberdeen, they will use the bike from EEV. And you see here, we have some, there was some meetings for the implementation of the fuel cell in these bikes. And I give an overview of all the bikes which are used in the project. We have six bikes in Aberdeen. One bike is a Rital bike in Groningen. In Easy Le Moulineau, we have the bike from Bike and Urban Mobility. In Stuttgart, two bikes from the company Bike, and Unicorn, they have four different bikes, and in the DLR we have a lot of bikes from Urban Mobility, Bike, Mobair. It's a complete new bike. It will be purchased since 1 month or so, but we have a prototype from them, and we will get from the first series production of the bikes. And then we have the first bike we have bought in the project is Armadillo bikes, and more bikes. And also in Velocaria, we use the bikes from OM. In the project, we have a lot of problems. I will show only this slide to show the complexity and the changes we have in the project. This is what we have to done for the technical development. This is not the only work package in the project. We have also for the logistic and for the regulations in the cities work package. But I'm from the technical side, and there will show the complexity. We have to develop the fuel cell system, meaning we have to develop all the components. And for this, there's an interaction between each of the components. One of the problems was that we want to design the stack suitable for mass production. That means
we are in research and at the DLR. That means we have to change from single cell production or small scale production to the requirements of a mass production. And that for this we have to adjust all the components in between the supplying companies of each part. Then we have to develop a preheater that we can start at temperatures below 0 degrees Celsius. The complex that we have in the project was a control system, including waves, cooling unit, and so on, was developed. Then we have to order the small parts, and then we have seen that we have also to take care for the certification of the system that we can bring it to the road. This introduce one modification from the original plan. We have planned to build up a real fuel cell bike, and then we change, caused by the problems of the certification for this bike in the project, that we go to a recharger system for the bike. It can be recharged a bike during the driving, but in this case, the certification process is easier, because we have not only to certify an additional part of fuel cell system and not the complete bike as whole. And then we have also seen that we have to take care for the refueling system we can use for the bike, because the refueling system in Germany, for example, on the hydrogen refueling stations, it doesn't allow to refill bikes because the tank is too small, and also also legal restrictions are that you can only tank with a car or a bus, but not with an not a certified or not a bike or a vehicle like a bike. And so we have to make a refilling station as additional thing. Okay, and so we have a lot of problems, and I will not go to more details. Thank you for your attention, and thank you for the interact, for this financial support, and thank you. Thank you, Mathias. Donc vous avez vu, donc on est en train, enfin on va les tester, hein, c'est triporteur. Il y a effectivement quelques, non pas des soucis, mais des challenges, des défis techniques à surmonter. C'est une des raisons pour lesquelles il y a ce projet d'ailleurs. Hein. C'est pas simplement de voir comment ils circulent en ville et comment on pourrait les piloter. Mais il y a bien effectivement quelques objectifs techniques à résoudre. Mais on est dessus. Mais je vous parle d'un premier temps parce que, et là je vais passer la parole à Aurélie Journet, la fondatrice de Grand Paris Durable, parce que dès cet été, en fait, on pourrait en avoir d'autres encore qui circuleront dans la ville, cette fois-ci plus à destination des... plutôt à en provenance de certains acteurs économiques qui pourraient... les utiliser. L'idée, en fait, de voir ces triporteurs, c'est évidemment de réfléchir aux questions de ce qu'on appelle le dernier kilomètre, hein, c'est-à-dire les livraisons en ville, d'essayer de voir comment demain on pourra réduire la circulation de ces camionnettes qui viennent livrer des colis de fournisseurs que vous connaissez tous, et remplacer du coup ces camionnettes thermiques par des modes doux que sont notamment ces triporteurs. Aurélie, je vous laisse présenter le principe. Bonjour, donc Aurélie Journet, fondatrice de la plateforme Grand Paris Durable. On peut, je ne sais pas si on a les slides ou pas. D'accord, merci. Donc, Grand Paris Durable, pour la partie visible de l'iceberg, c'est un média d'information digitale sur le sujet de l'aménagement durable des territoires. Mais en réalité, c'est une société d'accompagnement pour accélérer la transition écologique des territoires du Grand Paris. Alors,
évidemment, pourquoi le Grand Paris ? Parce qu'on est quand même sur un terrain de jeu assez incroyable avec des gares en livraison jusqu'en 2030, donc une multitude de sites à construire, à réhabiliter sans cesse. Les JO 2024 en plein milieu qui nous permettent d'avoir pas mal de moyens, en tout cas, aujourd'hui à notre disposition pour viser l'excellence environnementale. Donc un terrain de jeu assez, assez sympa. On propose, nous, aux collectivités, d'expérimenter alors une multitude d'équipements innovants en matière d'aménagement durable, entièrement gratuitement sur une durée de 3 ans, puisque les innovations aujourd'hui sur le sujet de la transition écologique, au sens large du terme, sont partout tout le temps. Donc c'est vrai que les territoires n'ont pas forcément conscience aujourd'hui de tout ce qui existe en matière de tri sélectif, de renaturalisation des centres-villes, de solutions en matière d'aménagement durable. Donc nous, nous sourçons en interne pour les territoires des équipements et proposons via donc quelques extraits que vous voyez ici, un catalogue pour leur mise à disposition. Et ça permet ainsi aux villes de tester certaines innovations pour vérifier leur utilité réelle auprès des habitants, puisqu'on a beaucoup de questions aussi sur tous les sujets innovants liés à ce type d'équipement. Et si l'expérimentation est un succès, pourquoi pas déployer évidemment un appel d'offres pour un déploiement très conséquent. Et si l'expérimentation ne le fut pas, on aurait permis à la ville d'économiser de l'énergie, du temps et évidemment de l'argent au passage. Donc comment aujourd'hui sont financées toutes ces expérimentations ? Par le biais d'entreprises privées qui sont évidemment de plus en plus engagées sur tous ces sujets-là et qui ont des budgets communication externes pour participer à ce type de démarche et qu'elles placent de plus en plus d'ailleurs sur de l'engagement plutôt que sur de la publicité pure. Ça permet du coup à l'entreprise évidemment de valoriser toute sa RSE et au territoire et au grand public finalement de disposer d'équipements innovants qu'elles peuvent expérimenter et qu'elles n'auraient peut-être pas eu l'occasion finalement de le faire en temps normal. Et évidemment, aujourd'hui, si on est présent à vos côtés, c'est parce que l'on a intégré également dans notre catalogue récemment une solution, Mathias Schulz le disait il y a quelques minutes, qui concerne toutes les villes denses, à savoir la logistique urbaine et le fameux problème de la livraison du dernier kilomètre zéro carbone, puisqu'aujourd'hui, toutes les villes denses souhaitent trouver une solution pour sortir les camions de leurs rues un peu étroites et du coup éviter évidemment les zones de bouchons et de pollution qui vont avec. Donc on propose également à certaines villes pilotes une petite expérimentation qui permet une mise à disposition de vélos cargo à hydrogène avec des tailles de caissons plus ou moins grandes qui ont également des avantages et des inconvénients. Et on rejoint évidemment le projet FCCP sur les petites problématiques qui sont liées à l'expérimentation. Et on accompagne les vélos cargo d'une station de recharge de proximité, ce qui permet au service de la ville d'utiliser les vélos cargo, mais également aux entreprises de la ville et qui peuvent même s'équiper elles-mêmes de vélos cargo ou de vélos tout court à hydrogène qu'elles pourraient du coup aller recharger sur la station de proximité qui est dédiée. Aujourd'hui, en matière d'usage, ce que nous proposons, nous, au service de la ville, c'est effectivement tout ce qui concerne les services propreté, les services de repas, de livraison senior et tout ce qui permet aujourd'hui de montrer un petit peu l'exemple et finalement d'atteindre cet objectif de déplacement zéro carbone dans les cœurs de ville et évidemment de motiver tout l'écosystème des entreprises du territoire concerné. Alors, Paris-Saclay, en tant que territoire innovant et laboratoire d'idées sur le sujet, a été le premier territoire à faire appel à nos services concernant ces équipements pour expérimenter cette solution en matière de mobilité douce. Et nous sommes donc en train de déployer pour l'automne prochain la première flotte d'Europe de vélos et triporteurs à hydrogène vert, puisque l'on parle d'une cinquantaine d'équipements au total, une trentaine de vélos et quelques vélos cargo qui viendront se greffer. Et cette opération sera dédiée sur la zone d'activité de Courtabœuf,
Donc on aura un panel de salariés qui vont utiliser les vélos et les vélos cargo au quotidien, et ça nous permettra évidemment d'étudier les comportements et les usages de cette solution d'avenir en matière de mobilité douce, de réadapter si besoin quelques détails, et surtout évidemment de rassurer sur le sujet de l'hydrogène qui aujourd'hui interpelle beaucoup, notamment sur tout ce qui concerne la mobilité légère. Et puis si on est présent évidemment aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux, c'est parce qu'on a également été très fiers de compléter le projet FCCP à travers ce déploiement qui aura lieu à la rentrée prochaine avec des vélos cargo et une station de recherche de proximité pour que le personnel de la ville puisse évidemment valoriser son implication et motiver les acteurs du territoire à suivre cette dynamique. Et donc pour ce faire, nous, en Grand Paris Durable, a noué un partenariat exclusif avec le fabricant Pragma Mobility, ici présent, qui est le seul fabricant français de vélos et triporteurs à hydrogène avec des batteries sans lithium, qui répondra à toutes les interrogations si besoin sur la partie technique relative aux équipements. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie. Du coup, en l'absence d'Éric, pardon, je vais donner la parole à Philippe Lucas directement, puisque je pense que c'est vous qui deviez intervenir en suivant. Oui, bon, pas de problème. Pardon, excusez-moi. Alors moi, je vais paraître un petit peu léger par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, avec beaucoup de compétences. Je vais plutôt être ici présent en tant que témoin global, témoin de l'utilisation de véhicules hydrogène, et notamment des bus hydrogène que nous avons en exploitation, quoi, que nous avons confié en exploitation à Île-de-France Mobilité et à Keolis sur Versailles. Un petit peu de genèse cependant, Bigreen, qui sommes-nous? On est des acteurs de l'écomobilité, dirons-nous, je dirais même des agitateurs. Des agitateurs d'écomobilité, puisque nous avons décidé de changer notre parc, le parc de la société Bigreen, et même de la maison mère Autocar Dominique, qui est un exploitant, un transporteur, de le transformer complètement en mobilité propre. Aujourd'hui, on est à 69% de notre parc propre, soit électrique, soit hydrogène. On a commencé en 2009, cette transition, dès 2009, avec des minibus électriques, puisque à l'époque, on ne parlait pas encore de bus ou de minibus hydrogène, même si nous, on y pensait déjà. Et on a investi dans 3 petits minibus pour commencer, pour ensuite se lancer dans un développement. Alors on était présent d'ailleurs sur Issy-les-Moulineaux en électrique depuis 2010, puisqu'on fait du dernier kilomètre, notamment pour Microsoft, entre le tramway et le site de Microsoft. Et puis on s'est développé sur le ministère de la Santé, dans le 15e arrondissement, sur la traverse mention commerce, où on est en électrique. Et il était bien évident qu'on devait basculer, et on y pensait dès 2014, qu'on devait basculer sur l'étape suivante, puisque l'électricité nous posait quand même un petit problème d'autonomie. On avait des autonomies avec les minibus de 100 à 120 km, avec les bus où on arrivait péniblement à 200 km dans les bonnes conditions climatiques. Et il était évident que le bus à pile à combustible allait répondre à ce besoin d'autonomie qui ne pénalise pas. Qui plus est, un temps de recharge, en recharge classique, disons-nous standard pour protéger les batteries d'un minibus ou d'un bus électrique, il est relativement long, il est de l'ordre de 6 à 8 heures. On peut faire des recharges beaucoup plus rapides, mais on n'est pas sûr que la pérennité des batteries soit effective dans ces conditions-là. Donc nous sommes donc partis sur les bus hydrogène avec une opportunité toute simple. On parlait de TCO tout à l'heure et c'est pas neutre quand même. Une opportunité toute simple, c'est qu'en 2017, la ville de Rome qui était inscrite au FCHJU dans le consortium 3eMotion, s'est désistée. Et il y avait, on va dire, 5 bus de potentiel, un budget de subvention pour 5 bus qui étaient disponibles. Air Liquide, puisque nous sommes à Buc, on est relativement proche d'Air Liquide. Air Liquide est venu nous les proposer et on s'est lancé dedans. Alors quand on parle de TCO et de subvention, là en l'occurrence, en 2017, les prix annoncés d'un autobus hydrogène standard étaient de l'ordre de 850 000 à 900 000 euros. Quand on s'est lancé dedans, donc on avait besoin effectivement de ces subventions, et les subventions exceptionnelles de ces conditions, c'est qu'on était sur une subvention effectivement du matériel à 50%,
mais pas seulement. On a aussi une subvention de l'hydrogène à 50% pendant la période d'expérimentation et de phase test. Une subvention de la maintenance à 50%, parce qu'aujourd'hui, la maintenance, l'air de rien, même si on peut imaginer que techniquement, cette maintenance-là, elle nous reviendra moins chère que la maintenance d'un véhicule thermique aujourd'hui, parce que pas d'huile, pas de filtre à huile, donc pas de retraitement, etc., hein, puisqu'on est sur un véhicule électrique. On a quand même des spécificités technologiques où aujourd'hui, nos techniciens ne sont pas formés, ne connaissent pas, hein. Et donc, ne connaissant pas, ben, on est obligé de faire appel à de la main-d'œuvre extérieure ou à des compétences extérieures qui coûtent relativement cher. Donc, pour un atelier intégré, aujourd'hui, la maintenance va coûter plus cher sur de l'électrique ou sur de l'hydrogène qu'elle ne coûte sur le thermique. Mais force est de espérer, et d'ailleurs, c'est en cela où nous sommes lancés dans cette expérience-là, pour acquérir ces compétences techniques et pour pouvoir assurer la maintenance en interne aujourd'hui. Et on constatera rapidement, puisqu'on n'a pas ces quantités d'huile notables et ce retraitement des filtres réguliers et puis changement de filtre qui coûte relativement cher. Il n'y a plus sur le véhicule hydrogène comme il n'y a pas sur le véhicule électrique. Ces éléments-là, on peut imaginer que demain, cette maintenance-là sera moins chère. Mais il était important quand même de noter que ce qui nous a permis, nous, petite entreprise privée, de nous lancer dans cette opération-là, c'est qu'effectivement, les montants de subvention étaient suffisamment conséquents pour qu'on puisse équilibrer les choses. Dans ces éléments-là, il a fallu aussi aménager, parce qu'on parle d'hydrogène et de maintenance hydrogène, il a fallu aussi aménager notre dépôt. Et donc, pour aménager notre dépôt, on peut s'imaginer que ça peut être quelque chose de particulièrement complexe, mais en définitive, quand on a un dépôt, et notamment le dépôt, surtout l'atelier de maintenance, quand on a aujourd'hui des bus GNV, on a aussi besoin de certains éléments de sécurité, notamment des détecteurs de gaz, pour les véhicules GNV. Donc, mais en l'occurrence, pour les véhicules hydrogène, c'est exactement la même chose. On a des détecteurs d'hydrogène. Alors, l'inconvénient, c'est que l'hydrogène est inodore, contrairement au gaz. Mais l'avantage, c'est que l'hydrogène est tellement léger qu'il monte tout de suite au plafond. Donc, pour cet aménagement, en définitive, on a eu besoin de nettement moins de détecteurs, puisqu'on les met simplement au plafond. Et puis, ils sont pilotés avec un système d'extraction, le cas échéant. Bon, on n'a jamais eu de fuite, je vous rassure. Mais le cas échéant, système d'extraction, si jamais il y avait une détection d'hydrogène, il y a un système d'extraction d'air et l'hydrogène se dilue très bien dans l'air. Que dire de plus ? Bon, effectivement, l'hydrogène, on recrache que de la vapeur d'eau. Donc on est sur un bilan carbone qui est relativement intéressant. Effectivement, on entend parler d'hydrogène carboné, d'hydrogène décarboné, d'hydrogène propre. Aujourd'hui, on n'est pas encore sûr de la production et de l'utilisation pour nous d'hydrogène propre, même si on a des certificats que c'est hydrogène extrait de bio-GNV. Évidemment, vous en avez entendu parler toute la matinée, il y a l'hydrogène avec l'électrolyse qui se développe de plus en plus, et d'ailleurs Air Liquide, qui est la station que l'on utilise quotidiennement, se lance et vient d'inaugurer un gros électrolyseur sur Fort-Jérôme, qui est justement l'entité de production d'hydrogène qui approvisionne notre station. Donc demain, on aura de l'hydrogène, on va dire, vert. Que dire sur l'ensemble de l'exploitation ? On a une consommation moyenne avec les véhicules Safra dont on parlait tout à l'heure, qui sont des véhicules électriques avec ce qu'on appelle une extension d'autonomie, c'est-à-dire une pile à combustible qui va rajouter de l'autonomie. Donc on a une batterie qui nous donne à peu près 100 km de roulage, mais avec l'hydrogène, on peut aller jusqu'à 450. On a une consommation à 8,9 aujourd'hui, 8,93 kg au 100. Moyenne sur l'année. Il faut savoir que l'hiver, cette consommation est beaucoup plus importante puisque le chauffage du véhicule est électrique et donc ça consomme un petit peu, comme dans nos maisons quand on met les radiateurs électriques, ça prend un peu d'énergie, donc on a une consommation beaucoup plus importante. Avantage, c'est que comme on a nos réservoirs d'hydrogène qui sont suffisamment dimensionnés,
on n'est pas en rupture. Et contrairement à l'électrique, ou un véhicule électrique, on s'aperçoit que l'hiver, ben, on perd près de 30 à 40% de notre autonomie. Donc pour une production quotidienne et un transport quotidien, ben, c'est un petit peu... On parle de bus, hein, sur les voitures, c'est un petit peu moins parce qu'on n'ouvre pas et on ne ferme pas les portes tous les 250 mètres. Hein, mais c'est quand même... Et donc, pour une production, ben, on est obligé, à un certain moment, ben, de mettre deux bus alors qu'on n'en a besoin que d'un, en théorie. Ça, c'est avec l'électrique. Avec l'hydrogène, on a plus ce problème-là. Et puis, l'autre avantage, c'est quand on doit recharger, quand on doit approvisionner, mais on approvisionne autant de temps qu'avec un véhicule essence ou diesel. C'est-à-dire que pour recharger 20 kg d'hydrogène, on met entre 15 et 18 minutes. 20 kg d'hydrogène, hein, c'est 500 km d'autonomie pour un poids lourd. C'est comme si on mettait 600 litres de gasoil dans son réservoir. 600 litres de gasoil dans son réservoir, mais avec une pompe à gros débit poids lourd, on est dans le même ordre d'idée, hein, 15 minutes. Donc on est exactement dans la même configuration, une utilisation donc qui est identique à un véhicule diesel, bon, avec quelques contraintes parce que c'est une nouvelle technologie, mais en enlevant tous les inconvénients qui sont ben, les gaz à effet de serre, les émissions de particules, les NOx, tous ces éléments-là ont disparu. On est vraiment sur le véhicule qui va nous permettre de respirer demain. Petit élément juste graphique comme ça sur le fonctionnement, hein, on a une petite courbe, donc une courbe de vitesse, là on est sur une vitesse moyenne à 26 km/h, hein, sur une production, et on voit bien, la courbe d'en bas c'est la courbe des kilomètres parcourus, on est sur une centaine de kilomètres parcourus et on a consommé 30% d'hydrogène. 30% d'hydrogène, sachant qu'on a rechargé la batterie en permanence. La courbe verte en haut, c'est on recharge la batterie. Donc la batterie, elle est... Donc on est sur un véhicule qui, finalement, nous permettrait de faire 450 km dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Merci à vous. Là, je vous propose peut-être de visionner une petite vidéo qui va nous transporter dans... Alors, pas dans 20 ans, hein, pas dans 20 ans, dans quelques années, dans quelques années on espère, imaginez-vous sur les bords de Seine, et puis vous verriez quelque chose comme cela. Alors simplement j'ai besoin de la télécommande, pardon. Merci. Voilà, Pascal Armandon, vous êtes CEO de The Jet, donc ce que nous venons de découvrir à l'écran, ça fonctionne aussi à l'hydrogène. Je vous laisse présenter un peu ce projet qui succède au Sea Bubble, si je me souviens bien. Oui, exactement. Après, c'est maintenant deux sociétés différentes. Donc, merci Eric pour votre invitation. Merci de m'avoir demandé de tenir en 5 minutes. Je vais essayer d'aller aussi vite que notre bateau. Donc en fait, j'ai beaucoup appris ce matin et j'ai beaucoup écouté, donc merci à tous les intervenants. Je pense que nous, on est effectivement aussi partie prenante de l'écosystème avec The Jet. Donc de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la mobilité de demain. Alors on espère que c'est plutôt demain qu'après-demain, puisqu'il s'agit effectivement d'un bateau qui, vous l'avez vu, fonctionne avec la technologie hydrofoil, hein, qui lui permet de sortir de l'eau à 70 cm au-dessus de la surface, ce qui permet de réduire les frottements, évidemment, et ensuite qui est propulsé à 100% par l'hydrogène, alors évidemment avec aussi une pile à combustible, comme ça a été évoqué dans l'exemple précédent des bus, avec une vitesse de à peu près 35 nœuds,
au maximum, enfin 35-40 selon les, effectivement, selon les environnements. Et en fait, je caractériserai donc en quelques minutes mon propos en trois grands blocs. La première chose, c'est la vision. La vision, en fait, elle est très simple. On était il y a une semaine, il y avait le Dubai Boat Show, au Dubai Harbour, à quelques milliers de kilomètres de là. Et quand on regarde l'ensemble des bateaux qui sont exposés, il y en a qui sont très beaux esthétiquement. On en voit avec quatre grands moteurs à l'arrière. Mais c'est le monde d'hier. C'est le monde d'hier parce qu'en fait, tout le monde comprend que ce qui s'est passé sur la route, avec Tesla entre autres, même si on parle de l'électrique avec Tesla, ce qui s'est passé dans l'espace avec SpaceX, on sait qu'il y a aussi des startups en France qui travaillent sur des avions bas carbone, va aussi arriver sur les mers, les lacs et les rivières. C'est une évidence. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs commencent à l'intégrer dans leur réflexion, y compris les gens qui organisent qui ont des yacht clubs, comme le yacht club de Monaco ou d'autres institutions. Donc nous, notre vision, c'est vraiment de participer à cette disruption, à cette rupture. Et c'est justement de proposer ce bateau qui est zéro émission, si on part du principe qu'on utilise l'hydrogène vert, zéro vague et zéro bruit. Donc c'est important aussi de parler de la notion de zéro vague, puisqu'il y a beaucoup de zones effectivement dans le monde qui ne sont pas accessibles forcément au transport en bateau en raison des vagues que ça peut susciter ou du bruit que ça peut susciter pour les gens qui sont aux alentours. Donc ça, c'est la vision. C'est vraiment apporter ce moyen innovant et qui préserve la planète. La deuxième chose, ce sont pour moi des prérequis. On a évoqué tout à l'heure les coûts, notamment les coûts de production ou les coûts d'utilisation. On ne peut pas uniquement se battre sur les coûts avec cette technologie. Donc c'est pour ça que pour nous, ça repose aussi sur une expérience et une expérience différente. Ça veut dire que lorsque vous êtes à bord de ce bateau, vous vivez vraiment quelque chose que vous n'avez pas vécu dans un autre contexte ou avec d'autres moyens de mobilité. Et c'est quelque chose qui ne ressemble à aucune autre expérience. Donc ça, c'est important et ça permet aussi de se différencier sur la partie coût. Et pour vous donner un ordre d'idée d'usage, puisqu'on évoquait aussi cet élément tout à l'heure, nous, on a déjà pris contact avec des grandes chaînes d'hôtels. Évidemment, on est obligé, compte tenu des coûts, d'aborder le marché par le haut. Mais après, il y a évidemment des évolutions possibles sur le transport un peu plus moyenne gamme et également le transport de marchandises. Mais on attaque effectivement le marché par le haut et les hôtels qui sont situés dans des villes comme Amsterdam, Istanbul, Dubaï, Singapour, on pourrait imaginer aussi sur la Seine à Paris, sont preneurs de moyens de ce type, innovants, qui leur permettent de se différencier et qui, encore une fois, sont zéro émission, zéro vague, zéro bruit. Donc c'est quelque chose qui suscite l'intérêt du marché. Donc il y a un marché, il y a une profondeur de marché. La deuxième chose qui est importante, c'est la réglementation. Et dans certaines zones également, on peut parler des lacs autrichiens, on peut parler, je crois que la Suisse aussi commence à en parler, j'ai évoqué Dubaï, il y a des réglementations qui se mettent en place pour limiter ou interdire les bateaux thermiques à un certain horizon. Donc évidemment, ça va susciter des vocations, ça va susciter des porteurs de projets, donc on va avoir la concurrence, c'est très bien. Mais en tout cas, pour nous, c'est aussi un élément important. Donc ça, ce sont les deux prérequis, se baser sur une expérience et pas uniquement sur les coûts, et se baser également sur la réglementation qui est en train d'évoluer. Le dernier élément, ce sont pour moi les accélérateurs ou les facilitateurs. Et pour moi, il y en a trois. Pour nous, c'est évidemment le financement, parce qu'un bateau, tel que vous l'avez vu dans la vidéo, ça va nécessiter quelques millions d'euros de développement et de fabrication. Donc on a besoin de lever des fonds, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est aussi ouvert évidemment à des partenariats industriels, donc pour ceux qui ont participé ce matin aux tables rondes, on peut tout à fait en parler. On a besoin également d'un écosystème, ce qui a été évoqué ce matin, ce sont des stations de refuel, surtout pour les véhicules de type voiture, bus, camion, etc. Mais nous, on a besoin d'autres choses, hein, des choses qu'on peut mettre sur des docks, dans des ports. Alors, il y a des prestataires qui existent, donc on a déjà pris des contacts avec ce type de prestataires qui nous permettraient effectivement de faire 2 ou 3 refuels. On aurait besoin d'à peu près de 50 kg, enfin, entre 40 et 50 kg d'hydrogène par jour, par bateau. Il y a également l'aspect maintenance que vous aviez évoqué tout à l'heure sur la partie bus qu'il faut également prendre en compte.
Et la troisième chose, c'est la réglementation, alors non pas sur thermique versus non thermique, mais également sur la partie transport de passagers. Évidemment, on doit faire l'objet d'une homologation, puisqu'on souhaite transporter 6 à 12 passagers. On est assez flexible, c'est assez adaptable. Mais ça nécessite évidemment d'être dans des niveaux 1 de réglementation de transport de passagers. Voilà, donc la vision, c'est la disruption. On s'appuie sur une expérience et sur des réglementations qui évoluent sur les bateaux thermiques. Et on est à la recherche de financement. On développe un écosystème ou on s'intègre dans un écosystème. Et on doit aussi se conformer à des réglementations de transport. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. Dernier exemple que je voulais partager avec vous, alors c'est à propos d'un stockage d'hydrogène dont on a parlé, et donc il y a un nouveau dispositif qui est en train d'être développé par une entreprise française, Aquius, je ne sais pas si je prononce bien, mais Monsieur Lévy, vous êtes vice-président de cette société, je vous laisse rapidement nous présenter. Est-ce que ça s'affiche ? Oui, voilà. Oui, c'est bon. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais essayer de faire rapide parce que je vois que le temps presse. Je me présente rapidement. Donc, Michael Lévy, donc je suis vice-président recherche et innovation d'Aquius. Je suis également délégué régional adjoint de France Hydrogène en Ile-de-France, à côté de Gilles Aron, qu'on a vu lors de la première table ronde. Donc, je vais vous parler de Storage Technologies. C'est une innovation que nous avons créée. Excusez-moi, Eric, je ne vois pas comment... Ah oui, d'accord, donc il faut le... Storage Technologies met sur le marché quelque chose que nous considérons comme étant innovant au niveau de l'usage, parce que Storage offre et commercialise un service de mobilité sans contrainte, tout en un, auprès des abonnés, qui comprend d'abord l'énergie propre au travers de l'hydrogène vert qui est stocké dans nos cartouches qui sont 100% sûres, sont recyclables entièrement, rechargeable 5000 fois par rapport aux batteries équivalentes qui sont rechargeables que 500 fois. Pourquoi est-ce que ces cartouches sont 100% sûres ? Parce que l'hydrogène n'est pas stocké en état gazeux comprimé. L'hydrogène il est absorbé dans des matériaux solides. La pression à l'intérieur de nos cartouches est l'équivalent de la pression que vous avez dans une bouteille de champagne. Et c'est pour cette raison que nous pouvons distribuer nos cartouches à l'intérieur des grandes surfaces, dans des distributeurs de canettes que nous avons adaptées. Et donc, nous mettons en place un réseau de distribution de cartouches qui est non intrusif. Elle est très peu coûteuse, est accessible tout le temps, est évolutif. Bien évidemment, ces cartouches sont des jolis presse-papier s'il n'y a pas une application. L'application, c'est quoi ? C'est la mobilité urbaine, la mobilité urbaine légère, qui, comme peut-être vous avez compris lors de la première table ronde, c'est un peu le grand absent du plan stratégique français, qui est focalisé vraiment sur la mobilité lourde. Donc, avec d'autres sociétés françaises comme Pragma, qui vient d'être citée, nous travaillons, nous ouvrons pour que même la mobilité urbaine soit accessible à l'hydrogène. Donc, nous avons un catalogue de véhicules made in France, que ce soit des deux roues, des trois roues ou des quatre roues, que nous avons conçu avec des constructeurs françaises. Nos abonnés, moyennant une mensualité, ils ont accès donc à l'énergie verte, parce qu'ils ont accès à ces cartouches et au réseau de distribution. Ils ont accès à un véhicule en leasing et, comme toute leasing classique, ils ont accès à l'assurance, l'assistance, la maintenance. Nous avons démarré nos déploiements, d'abord en Suisse, à Genève, l'été dernier, chez notre partenaire ABB Hitachi. Donc il y a une dizaine de vélos cargo qui ont été déployés, des vélos cargo conçus avec notre partenaire français Cyclorop. Cyclorop, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le numéro un français de la fabrication de vélos, que ce soit mécanique ou assistance électrique. Cyclorop commercialise sous les marques Peugeot, la marque Gitane, la marque Bianchi et bien d'autres. Donc une dizaine de vélos cargo en 2021, 200 cette année, et l'objectif c'est 1000 d'ici 2025, auprès des abonnés qui sont d'abord des abonnés business et des abonnés des collectivités, avant qu'on ouvre au grand public. Nous déployons toujours avec un écosystème de partenaires que vous voyez ici sur le slide, des partenaires qui sont toujours locaux, que ce soit pour la production de l'hydrogène,
le remplissage de nos cartouches, la logistique de distribution des cartouches, le leasing et le service après-vente. Chaque pays a ses spécificités. En Chine, nous travaillons avec un designer industriel qui vient de l'automobile. Nous avons conçu avec eux un véhicule qui est spécifique à la Chine. C'est un véhicule emblématique. C'est un motocycleur qui a été présenté à Shanghai en novembre dernier lors du grand salon d'importation en Chine. L'objectif, et ici sur le dispositif, vous voyez nos distributeurs. Vous voyez également le home charger qui permet à nos abonnés de recharger quelques cartouches la nuit chez eux ou à la maison. L'objectif de storage pour la Chine est à la taille de ce grand pays. Donc en 2025, c'est plus de 150 000, 170 000 véhicules servis par un parc de 1 million de cartouches distribués dans 3 000 à 4 000 de ces distributeurs. La consommation au niveau du pays avec cette flotte, c'est de l'ordre de 1 tonne d'hydrogène par jour. À Issy-les-Moulineaux, ce que nous proposons, c'est de travailler avec la ville pour la mise en place d'un écosystème storage, toujours local, autour de trois types de véhicules pour trois applications qui sont très spécifiques. Donc d'abord, un scooter que nous développons avec notre partenaire Mobion, qui est le leader au niveau des scooters pour la livraison de l'alimentation. Son ADN, c'est la pérennité programmée. Donc c'est pour ça qu'on s'est associé avec eux. Ce type de scooter pourrait intéresser, par exemple, les agents de surveillance. Le cargo Colosse que nous avons développé avec Valeo et Cycleurope pour la livraison de derniers kilomètres, qui a été présenté d'ailleurs à l'Elysée en juillet dernier lors de grandes expositions Made in France, et également des véloassistances électriques de fonction de Cycleurope, et entre parenthèses, Cycleurope, c'est le fournisseur de Veligo, pour les salariés des grandes entreprises qui sont implantés à Issy. Nous avons estimé que le potentiel sur Issy-les-Moulineaux et l'agglomération, c'est à peu près 10% de la flotte électrique, donc c'est entre 400 et 500 véhicules. Merci beaucoup à la ville de nous avoir permis de présenter. Je suis ouvert à toutes vos questions. Je pense qu'on va passer maintenant. Oui, merci à vous. Donc vous avez vu, en matière de mobilité, il y a non seulement beaucoup d'exemples qui démontrent que ça avance et que ça avance vite un peu partout, dans tous les domaines, même si évidemment il reste encore des questions, mais ça c'est le lot de toutes les innovations. Est-ce que vous avez des questions d'abord sur ce sujet-là, avant qu'on passe à l'habitat, qui, là pour le coup, on va aussi faire un bond en avant en matière d'audace, si j'ose dire, puisque c'est effectivement un vrai défi. Ouais. Quelle est l'autonomie avec une cartouche ? Nous concevons tous nos véhicules pour avoir une autonomie équivalente à celle des véhicules électriques. Donc nous garantissons que, quelle que soit la taille du véhicule, il y aura 100 km d'autonomie pour démarrer. Le temps que nos abonnés s'habituent au fait que, par exemple, dans une grande agglomération, nous allons implanter des distributeurs pour que l'utilisateur soit jamais à plus de 2 km d'un distributeur. Et donc, une fois que nos abonnés s'habituent à ça, il n'y aura pas cette anxiété de l'autonomie et nous pourrons ensuite réduire le nombre de cartouches. Mais l'engagement qu'on fait, c'est 100 km aujourd'hui parce que c'est ce que demande le marché aujourd'hui. Merci à vous. Je vais inviter les intervenants de la table ronde sur l'habitat à venir prendre place. Donc il y a Bertrand Petit qui est président du think tank Enocher. Ça tombe bien qu'on ait parlé de la Chine parce que je crois qu'il va nous parler aussi de ce qui se passe là-bas en Asie. Eric Mazoyer qui est président de MMI. Et Jean-Michel Amaré, président de Hathaway.